Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons découvrir une fonction bien pratique. Il s'agit des onglets dans un tableur. L'onglet se situe ici, en bas. Pour l'instant, il s'appelle feuille 1, mais je vais le renommer en faisant un clic droit sur cette feuille. Je vais renommer la feuille et je vais indiquer que c'est la feuille, par exemple, qui s'appelle lecture. Maintenant que la feuille... L'onglet est renommé en lecture, je vais pouvoir dupliquer cette feuille en prenant l'option déplacer, copier la feuille. Donc l'action c'est la copier, je vais la poser en dernière position et je vais l'appeler par exemple maths. Parce que je veux faire la même chose, mais cette fois-ci pour les maths. Je clique sur OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai désormais la lecture et les maths. Donc il ne me reste plus ici qu'à changer le visuel. Donc je vais faire supprimer le visuel. Revenons ici. Prenons par exemple les mathématiques avec le petit poussin. Donc je sélectionne ce visuel que je vais insérer directement dans mon fichier. Je vais l'insérer par exemple ici, en le décalant légèrement. Voilà, comme ceci. Ici, je vais l'agrandir un petit peu, de façon à laisser un peu de place. Et j'ai également la possibilité, voyez-vous, de mettre de la couleur. Donc par exemple, l'onglet qui sera par exemple pour la lecture, je vais le mettre en bleu. OK. Alors que celui des maths, je vais faire clic droit. Couleur d'onglet, je vais le mettre par exemple en orange. Voilà. Donc nous avons vu à quoi servent les onglets. Ils sont très pratiques. Ça permet de dupliquer rapidement une feuille en changeant juste quelques éléments. Et ça permet également de se repérer avec des couleurs. Si on souhaite déplacer un onglet, c'est pas compliqué, on le prend et vous voyez, je vais le mettre avant lecture, tout bêtement. À bientôt pour un autre tuto.